Les réactions avaient été orageuses sur les réseaux sociaux le 29 juin dernier. France 3 avait envoyé la pub en plein milieu des adieux de Fabi. La pluie et le beau temps, c'est terminé pour Fabienne Amiache, la présentatrice de la météo de France 3. Qui a officié au sein du service public durant trois décennies, a quitté l'antenne le mardi 29 juin. Des adieux forcément bouleversants, qu'elle a eu du mal à formuler. Pour moi. C'est fini, je pars. Voilà, c'est fini, je pars, a-t-elle déclaré la voix prise par l'émotion. Je suis trop émue. Je pars et c'est tellement émouvant, ses camarades Myriam Seurat. Chloé Nabédian et Nathalie Rouet étaient alors venues la rejoindre sur le plateau avec des bouquets de fleurs. Tu n'allais pas passer cette épreuve sans nous. On est là pour toi. On voulait t'accompagner avec les téléspectateurs pour ce moment si particulier. Si émouvant. On est toutes très émues avec les techniciens. On voulait juste te dire avec tous nos amis que tu vas nous manquer. Ta bienveillance, ta gentillesse, tes états de rire, a commencé à la féliciter Nathalie Rouet, avant que France 3 n'envoie soudainement la publicité. Trois semaines plus tard, Fabienne Amiache est revenue sur son départ de France Télévisions dans les colonnes de Télé 7 jours, « Je suis arrivée à la météo en 1990. J'ai connu des années exaltantes, on a fait évoluer le service. Mais, j'avoue qu'avec le temps, le travail s'est déshumanisé, je ne retrouvais plus cet esprit de famille », a-t-elle expliqué. J'ai eu envie d'arrêter et de commencer une nouvelle vie si elle espérait pouvoir faire ses adieux en bonne et due forme. Elle n'en a malheureusement pas eu l'occasion. Sur le moment, Fabienne Amiache n'a pas réalisé ce qui venait de se passer, je ne m'en suis pas rendu compte. A-t-elle assuré. J'étais tellement émue. Mais lorsqu'elle a compris ce qui s'était passé, c'est un sentiment de déception qui l'a envahie. Un grand moment d'émotion dont les téléspectateurs ont été privés car il fallait passer le sponsor. A-t-elle regretté? Cela reflète bien la déshumanisation dont je parlais et que je déplore. Fabienne Amiache a désormais l'intention de prendre le temps de visiter la France. Et de se mettre à la comédie, elle a notamment un projet de théâtre et a révélé peu rancunière envers France 3 qu'elle rêve de tourner dans Plus belle la vie. Ex-présentatrice météo Mistral, pourvu qu'elle ne se prenne pas un vent.